Haïti son pays riche. Nous riche en monde parce que c'est monde qui peut servir à l'autre richesse qui gagne pour faire développer, pour faire tout ce qu'on a besoin. Et le fait que nous mal utilisé richesse que nous gagne qui est le monde, c'est ça qui fait que nous dans état de pauvreté ça que nous y est. C'est dit on petit crasse monde qui gagne toute richesse pays là dans mais bien entendu. Et la majorité des gens qui vivent dans le pays sont très pauvres. Mais tout le monde a besoin de vivre. Parce que les gens ont besoin à l'école, ils ont besoin de petits à l'école. Ils ont besoin de santé, ils ont besoin de travail. Ils ont besoin minimum pour vivre. Donc si minimum ça n'a pas existé, le pays a toujours gagné, je répète, a toujours gagné division. Si vous organisez, vous venez en cours. Yon liquide qui lagué qui pral n'importe côté côté vent fait tout pour lagué un être humain pour compte li non société qui en voie de destruction pas ka fan rien c'est tout pour nous pas mettre tête ensemble. Le nous descend non, marché quoi Bossal ou bien dans n'importe qui marché public. Bon ici là, c'est informel. Mounio a dégagé, yo même pour occuper de tête, pour occuper des familles. La dans la rue, ils font du travail, ils casse que ils ramassent un petit cob pour capable vivre avec famille, mais vivre malement, plus facile pour monde et vendre papa d'app et bah téléphone, yo mini téléphone. Parce que le fait que bah, ça n'a pas demandé un niveau élevé de qualification. Et en Haïti, nous disons ça, c'est un chômage déguisé. Mais si on a un travail, vous diable, on a un chômage déguisé, comment ça va travailler? Le syndicat a un pour devoir pour le bataille pour le pour nous arriver à ça, un emploi décent et durable, côté on est capable de faire des projets pour dire bon, dans 10 ans, mais ça m'a fait. Dans 20 ans, mais ça m'a fait. Le travail a supposé créer. Un minimum de bien-être. Bon, et nous capables de dire que la situation paysan en Haïti, c'est toujours bah, très difficile. Ce sont ensemble de monde qui là dans le pays qui travaillent et qui a créé richesse pour tout le monde dans la société, mais qui finalement n'a pas jamais pris en compte. Il n'y a pas l'hôpital, il n'y a pas l'école. Ou ça me dit là, produit à l'homme, il n'y a pas de l'autre produit sur l'autre côté. Vin engager le pays à faire que la production paysan pas vendre. Ou ça me dit là, le paysan n'a pas de crédit agricole, il n'y a pas encadré. Nous pas capable de vivre dans un pays qui a 50-60% ça pour nous manger. À l'extérieur, à l'étranger, ça ne soit pas cher. Alors que, ou gagne une force paysanne qui cap travail, ou gagne une jeunesse qui a demandé travail, et alors que, pas gagne ou pas une vision, ou pas qui ça va faire pour que mette l'État ça en marche, pour que l'État ça mette le pays en sentier, ça cher. Je vous dis à ça, c'est renforcer nous-mêmes. Nous venons à une agriculture nouvelle, qui c'est renforcer l'innovation technologique paysan, renforcer la capacité de gagner, développer des expériences pilotes. Par exemple, côté nous avons un atelier, côté où les femmes sont transformées en pile fruits, sont transformées en pile racines, en pile tubercule. Et ça, mettons, on va aller ajouter tout. Les gens vendent dans la paysannerie, dans la ville, ils font plus de scope et ils ont plus de possibilités pour conserver les grandes piles de production pour ne pas arrêter de gaspiller. Tout ça, c'est l'expertise qu'on a développée dans la paysannerie. Tout ça, c'est grâce à mouvement paysan. Parce que l'organisation, ils ont porté un pile de développement dans la localité. En tant que collectivité, ils ont fait route, ils ont aidé dans la question de santé, ils ont aidé dans la question de l'école, ils ont aidé dans la question de plantule, ils ont aidé dans un paquet de bagages. En pile paysan capable de réfléchir sur la réalité politique paysan, sur sa dirigeant a fait qui bon, ça a fait qui pas bon. Paysan au clair, ils dit, ils veulent augmenter la question de manger dans le pays. Mais pour augmenter, il faut un investissement, il faut que l'État soit capable d'investir dans eux-mêmes. Ça n'a pas aucun problème pour aller dans le marché pour ramasser taxes dans mes marchés. Mais au moins, il faut que taxes retournent vers les joueurs. Mais s'ils ne retournent pas vers les joueurs, donc ils préfèrent, si les gens préfèrent descendre Port-au-Prince,
à laver machine, à vendre l'eau dans sachet. Faut aujourd'hui à gagner route qui débouche dans toute minéral pour na vendre produit. Faut qu'on marché pour paysan écouler produit. Faut qu'un espace dans minéral là pour paysan chercher poire, pour chercher maïs. Donc ça dit que faut qu'un espace de stockage national qui valorise production ça et laisse à paysan ka. Ouais, faut dire bon, faut gagner l'école, faut gagner l'hôpital pour espace ça yo pour permettre que nous vivre dans tout le monde. Pour paysan rien tout vinn prendre relevance dit comme l'autre pays que paysan gagne valeur en Haïti tout nous gagne valeur. Nous toujours être paysans. Nous des paysans, il y a un rôle extraordinaire, il est capable de jouer dans le développement socio-économique du pays. Moi-même, je pense qu'un pile d'échecs gagne longtemps, qui passe, tu gagne moins de monde dans la capitale qui te permet, l'offre fait travail là, ou une efficacité là-dedans. Mais de jour en jour, tout le monde a quitté la province, atterri dans la capitale là. Je dis à vous passer là, ou faire un massage là, et puis demain, si je vais, ou elle fait mal quand on compte pas de jambes faites. Une quantité de monde qui fait de maladies, qui directement lié à travail qu'il a fait, d'où notre travail dans goumen pour amélioration conditions de travail moun sa yo que yo gen gants que yo gen bottes que yo gen masque yo. Donc ou moun nan l'a fait travail ça comme si c'était dans c'était couture qu'il t'a fait. Syndicat toujours là pour réclamer mais de façon de travail quantité moun nou gen yo trop petit pour travail là. Moyens économiques tout qui vraiment bas pour concerner ta entrer dans conscience puis entrer dans le dossier comme moun sa yo c'est au cap fait plus mauvais travail dans pays a et puis c'est au plus mal touché on capable dire actuellement il a touché $25 par jour. On dit li inacceptable que je vous dis avec très peu de travail qui déjà gagné que on haïtien a touché comme salaire et $125 alors que gon loi qui dit pour te 200 gouttes qui déjà représenté en pitance mais gen on refuse systématique du côté des patrons et pour yo capable respecter loi ça nous croyons que ça c'est une autre façon encore une fois pour partager ça gen mais si gon groupe qui d'accord pour le prendre tout et puis pour majorité pays a pas jeune rien nous pas sorti dans confrontation. Bon, ça qui a passé la cour, là, la cour supérieure des comptes, qui chita le tabac, c'est le jugement qui opposait travailleurs mairie Port-au-Prince avec l'État haïtien. Qui ça a provoqué lui? C'est là, après l'investiture magistrat Muscadet Jean-Yves Jason, le 29 mars 2007, lui joint tout employé à travailler avec une lettre de travail dans la main. Voilà que lui n'a pas ni lettre de révocation, ni lettre mise en disponibilité, et que lui mettait au dehors tout bonnement. Or, tout le monde sait qu'il a, tous ces employés de l'État. Il y a des gens qui pensent qu'il y a des gens qui ne travaillent encore. Qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, qui ne travaillent pas encore. Jason Sandrine, magistrat Jason, il n'est pas occupé, il n'est pas un goût, il n'est pas jamais payé. Or, je vous dis à nous-mêmes, nous demandons justice. Nous demandons justice, nous demandons à bas corruption tout. Pour nous capables de toucher normalement, parce que nous ne sommes pas capables encore. Nous faisons ce que la loi autorise nous, en pile pression, et en pile manifestation, en pile sit-in, et nous sommes même arrivés à ça qui pire étape là, grève de faim, en dedans et tribunal là. Bon, pour lui, a quand même gagné une décision de justice et qui prend en notre faveur. Mairie Port-au-Prince condamné pour payer et travailleurs. Et nous-mêmes, nous continuons à demander, non seulement payer, mais c'est la réintégration de ces gens dans leur poste de travail. Mais ça que nous ne pouvons pas souhaiter, c'est pour diriger ou comprendre.
Ça qui passe dans le pays aujourd'hui, pour ça pas ta résoudre par coup de fusil, mais pour ça ta résoudre par la loi, par l'état de droit. Moi, nous autres, en train de travailler à la mairie Port-au-Prince, nous affiliés avec CTSP, qui est la Confédération Secteur Privé et Public. Nous continuons à gommer, nous continuons à bataille pour demander droit à nous. Et nous croyons tôt ou tard, nous jouons parce que nous conscientisons, nous organisons, nous groupons nous en syndicat, c'est justement pour nous droit à nous. Zone franche Codevilles, c'est la première zone franche au fait en Haïti qui est basée sur la loi zone franche. Il a surtout fait assemblage textile, c'est radiotique. C'est travail à la pièce, c'est sous base tarif, on compte à production. Et en plus de ça, pour faire tarif là, on est obligatoirement obligé de faire supplémentaire et supplémentaire ça n'a pas payé. Dans le syndicat, nous connaissons son bataille. Bataille comment pour nous capables d'aider les ouvriers et sortir dans une sorte de situation qui n'est pas agréable. Parce que imaginez, les ouvriers qui font une semaine de travail ont touché 500 gouttes, 800 gouttes, 700 gouttes. Les ouvriers font une semaine de manger. Et les conditions ne sont pas normales. Parce que l'usine a pile monde qui travaille là-dedans. Côté gagne 3 4 5 000 monde qui travaille dans l'usine, si c'est le patron qui seul qu'on chanter, vous faites ça ou voulez. Mais le moment où il y a un syndicat qui oppose des abus qui a fait dans l'usine, moi pense qu'il y a une limite, patron vient une limite. Dimanche réunion, assemblée générale, nous tous invités pour nous mettre des syndicats sous deux pieds. Réunion dimanche pour nous tous là. Réunion assemblée dimanche. Réunion assemblée dimanche. Y a pas nous. Rivière massacre. Pour me trouver substance, m'obliger travail, m'obliger vin pour sable. Qui fait pas travail dans factory? Salaire yo paye moun yo li pas valable pour couvrir quatre journaliers. Journaliers parce qu'il y a cinq petits moun pour me capable élever obligatoirement le lever matin côté sept moun à manger, à habiller, à nettoyer souliers, ça c'est paquet l'argent calé et là moun yo manke touché en dedans. Moun yo k'ap vann manger a soufri. Y acheter bagay yo crédit et puis moun yo obligé moun yo capacité manger nan men yo a pas trouver l'argent pour yo payer yo gagne yo kon retan dan ta 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 c'est là toute machine aller c'est là ça au marron pour qui yo pas joindre ça pour yo payer machine yo parce que ça au payer yo a pas ka payer même trois jours manger le pas ka payer. Zone franche son modèle économique que yo dit pour développer pays a pour permettre faire face à problème chômage pour permettre que pays a prend on l'autre élan. Tout bagaille pour produit dans zone franche ça et c'est dehors yo même yo sorti c'est main d'œuvre là seulement que yo servi et puis avec petit salaire que qui pas même un salaire décent que yo bail moun et qui travaille dans zone franche yo pour yo même yo capable vivre. En tant que modèle économique nous pas wè réellement qui développement qui progrès réellement l'hypoté et si l'hypoté on bagaille qui ka permettre nous ka di à permettre pays à fond saut et que nous pas quoi jusqu'à nous pas quoi là ça et jusqu'à présent li pou ko montrer nous que li ka ça tout. On capable au niveau APCH
nous avons déjà nous fait pour nous capables de dire qui zone machine nous fait. Toute zone que tu as PCH couvrir après, vous identifié. Et chauffeur ça, ou pas pour chauffer à son machine pour nous contrôler, nous avons contrôlé tout chauffeur ça qui sont machine. Et puis, nous avons un dossier là. Que le propriétaire a venu le remplir et puis le chauffeur a venu le remplir tout. C'est une façon pour nous qui vient de mettre un petit lot au niveau du transport. Ça nous mène comme satisfaction. Longtemps, lorsqu'on vient de charger là, c'est là longtemps depuis 80 moi-même. Lorsqu'on a chargé, c'est dans le groupe, mais on a battu l'autre à l'entrée du commissariat. Au moins, le chauffeur qu'on a pour ma chauffeur, rate sur le compte Charles. Qui go bagay nous bénéficier dans bala c'est discipline. Ouais, discipline non, c'est dire que les gars bagay doit paraître sur la ville depuis le matin ou paraître sur vous le charger. C'est un principe. C'est un principe ça net. Les noirs font étude, ça que nous tout accident quand on arrive c'est parce que chauffeur a fait excès pour lui avant pour charger avant. Mais nous venons mettre un petit lot dans ça, nous puisque nous chions un petit papier par chauffeur. Lorsqu'il arrive à destination par exemple sur le principal local, lorsqu'il arrive au cas, il y a un monde là pour mettre papier ça qui à quelle heure d'entrée. Puis il y a enregistré dans cahier. Nous on cahier qui enregistre machine qui vient rentrer. Ça a vu une fête chauffeur, pas faire excès encore, et puis l'accident a diminué. Alors c'est pour montrer un syndicat dans nos pays, ça a un paquet d'importance. Et toute force organisée dans nos pays, les deux pays ont avancé. Syndicat, c'est un. Comme ça dit ça, c'est un groupe qui groupe ensemble pour défendre un intérêt en commun. Mais l'intérêt, ça faut faire parler. Qui ça a eu comme problème dans l'activité là? Qui ça a proposé comme solution tout? Et puis nous travaillons ensemble et puis c'est comme ça. Et c'est ça qui fait force à PCH tout. Faut toujours gagner ou aller venir entre direction syndicale et reste mamio, donc qui fait partie de l'assemblée syndicale là. Et faut gagner tout transparence et pour que permettre que tout bagaille toujours clair. Ça veut dire que gagner rapport, ouais, tout ça qui décide lit et archivé dans cahier rapport et si il y a des erreurs, si il y a des problèmes, il y a toujours tourner dans rapport. Donc ça permet que si il y a des bagages qui des décidés pour faire, gagner pour demander compte, puis demander règlement, puis demander comment ba elle a été faite, puis demander compte etc. Toute société qui voulait membrer qui pas tant qu'on baillouer l'en français invertébré tant qu'on l'homme sans eau, eh bien son société une société civile bien organisée parce que c'est société civile ça qui a fait pays en fait progrès du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue culturel. Et société civile là organisée en syndicat travailleurs organisé en syndicat sont extrêmement important dans un pays qui fait progrès si pas un syndicat organisé là-dedans. C'est ça l'histoire enseigner nous paysannerie qui est très important dans le pays par nous. Association socio-professionnelle, association de femmes qui fait partie de la société civile, association jeunes, association de défense droits mounio, toute association civile qui combat pour respect droit, devoir, pour respect constitution, qui combat contre l'impunité, pour ne pas faire ça, ou fait partie de la société civile. Ministre, qui a fini après le message là, pour faire ça, suspendre. C'est mes bouches qui nous ont fait logement. Mais pour lui prendre ça, lui quitter le peuple, le mettre au paquet d'ONG, au paquet d'organisation, qui a fait t-shirt, tête, boîte à droite, à gauche, alors que c'est lui-même qui dans l'État, il n'a pas responsabilité à faire logement. Vous ne voulez qu'à l'âge pigeon? Nous ne voulons pas qu'à l'âge pigeon! Nous, la société civile, le bien organisé, les villes nous ont un ensemble de groupes de pression. Donc, il y a fait pression, et pression qu'a fait un pire du genre. Pression qu'a fait à travers plaidoirie, où on sait que vous défendre, ou présenter, ou présenter devant le Parlement, ou présenter devant la société, ou présenter dans la presse. À travers des manifestations légales, à travers des grèves légales, tout ça, c'est façon que la société civile l'a pour manifester et qui est reconnue par la Déclaration universelle des droits de l'homme et par toute convention internationale qui existait. Et que Haïti signe. Conférence de presse aujourd'hui, c'est pour nous présenter par l'opinion publique résultat enquête que nous faisons sous conditions et travail professeur dans l'école yo, et conditions d'apprentissage élève. Yo. Ensemble, syndicats enseignants ont lancé depuis 18 novembre une grosse campagne sur tout le pays pour l'éducation publique de qualité. La campagne, ça,
nous comptons faire plaidoyer auprès de l'autorité, avec l'autorité dans le Parlement, le pouvoir exécutif, tout le monde dans la société civile là, sous importance éducation publique de qualité. Et nous avons un calendrier de tournée qui a fait dans tout le pays. Ça qui a passé dans l'école, il y a le ministère de l'Éducation nationale, pas nommé professeur. C'est comme si c'est en faveur, ils font l'école pour nommer professeur, pour envoyer professeur. Bah, dans la section communale, côté si vous n'avez pas deux jours l'école par semaine, parce que le professeur a voulu venir l'école là, son d'accord, pour toucher son problème. Donc, ça qui a passé en réalité souterrain, hein, c'est pas ça le commentaire, mais qu'on est souhaité que autant des professeurs, parce que c'est nous-mêmes qui avons ça qui a passé dans l'école. Donc. Nous avons mené campagne là avec ensemble de syndicats d'enseignants et parents d'élèves. Le thème de campagne là, c'est éducation, ses outils pour bâtir Haïti. Nous avons essayé de montrer à la population, la société en général, qui avantage, qui importance l'école publique gagne pour une nation. Le pays là, l'État, c'est 15% de l'école publique seulement gagné. Nous, pays pauvres comme ça, nous pas qu'à la guerre dans le bagage comme ça. C'est peut-être ça. Nous avons demandé des responsables pour prendre la responsabilité en main. En Haïti, nous avons fait la différence. Si nous sommes dehors, si nous sommes dans la ville, si nous sommes dans l'école privée, si nous sommes dans l'école publique, si nous sommes dans l'école Caïmé, si nous sommes dans l'État. Non, c'est pour nous avoir l'école, une éducation, que tout le monde passe dans la même école. Là, nous avons une éducation de qualité, c'est-à-dire une éducation qui forme jeunes, qui forme monde, et que monde est capable de définir tête, le monde est capable de définir milieu de la vie, le monde est capable de faire pour capable participer à la transformation société côté la vie. Là. Et dans le cadre de la campagne, ça, nous avons l'autre objectif de poursuivre tout. C'est conditions de travail enseignant. Ce sont des petites classes tout petites, étroites, côté bon paquet d'élèves, professeur a tout pas gain temps pour questionner tout le monde. Donc, ça a une grande répercussion, il y a un impact négatif sur la qualité de l'éducation. Le fait que le métier a n'importe qui est fait, il n'est pas payé. Donc, ils sont quand même pas grand prestige dans la société. Par exemple, un garçon, un jeune homme qui t'a des cotisations, une jeune fille. Mais quand il débouche à l'école, une jeune fille, même si tu as des bonnes intentions, elle a commencé à écarter parce que après, l'avenir n'est pas assuré. Nous avons des formations, formation initiale. Elle veut dire qu'on apprend le métier, son métier, il faut apprendre. Et puis, formation continue, elle veut dire perfectionnement. Et puis, séminaire, tout ça qui a bon pour nous, capable chaque jour faire métier nous, puis bien. Donc, moi, je voulais qu'on reconnaissance par rapport à nous-mêmes, enseignants, s'annouiller, parce que c'est notre premier métier, c'est nous là qui pouvons vraiment former tout le monde qui va exercer notre métier. Là, c'est l'hôpital général, l'hôpital de l'Université d'État. C'est là tout étudiant viennent faire stage. C'est là nous avons formé tous les médecins résidents qui viennent former pour aller à la population en soins. Et c'est là nous recevons tous les malades, ni couches défavorisées, ni couches qui ont possibilité. C'est là nous recevons tous les malades. Par exemple, si nous vérifions là, nous allons nous rendre compte que mesdames yo, les infirmières, il y a pas rangé au bail soin, mais il y a des bagages que ta jeune que au bail. Santé pas capable bail dans saleté. Faut côté à propre. Nous en 21e siècle, façon que l'hôpital nou yo fonctionner, c'est même avec l'hôpital antiquité parce que malade yo tout yo même côté, dans même salle, yo pas séparé réellement. Ça veut dire li important ou même en tant que syndicat pour toujours à l'avant-garde pour malade qui vini yo, pour principe asepsia li là pour malade yo pas vini l'hôpital avec yon maladie et puis pour yo retourner avec un autre maladie parce que l'hôpital yo pas équipé réellement gens ça ta doyé.
Nous même dans la clinique ça là, les maladies venues, c'est au cachet gaz, c'est au cachet gaz puis au fait pansement. Donc nous pas gagner pour nous servir jusqu'à présent. Ça veut dire que ça, c'est une détresse psychologique que lié pour nous-mêmes en tant qu'infirmières, les regarder malades là, qui ont filé devant et puis sans que ou pas capable de faire rien. Bon, le problème salaire là qui est additionné. Le problème salaire là, son bagaille, dans toute ligne, sur toute la ligne, nous jouons à lutter pour ça, qui n'a jamais marché bien jusque-là. Depuis infirmière, on a des meilleures conditions de travail, c'est malade là qui va bénéficier. Meilleures conditions de travail là, tout le monde peut protéger l'infirmière là. Et le plus souvent, ce grand dirigeant qui lui-même, si son problème matériel, l'homme matériel là, où elle paraît un monde qui fait une subordination devant eux, pour être capable de justifier eux. Maintenant, ce grand syndicat qui lui-même cap gérer le conflit et cap gérer et promotion soins de santé, laisse sa maladie à bénéficier. Mais nous-mêmes, c'est dans ça que nous sommes capables de faire des pressions, pour nous faire solidarité avec la population, hein, son façon pour nous au moins nous avoir une instance qui tend de nous pour faire nécessaire pour la maladie. Pour parler de développement économique, de développement national, peuple ou à lui-même, lui doué en santé. Parce que, pas oublier, il y a toujours dit, l'avenir ou nation, c'est jeune. Mais si jeune, il a mal mangé, il a toujours des maladies qui peuvent rentrer sous lui, pas de prévention qui fait. Ça veut dire, il n'a pas vivre en pile temps. Et grand monde qui était là, il n'a pas aller. Comment nation, là, il peut le développer? Chaque haïtien a prié pour ne pas être malade. Parce que depuis malade ou à l'hôpital, c'est comme si m'tadou c'est ou tout non source financière pour docteur. Ou son source financière pour docteur parce qu'on va dépenser un pile d'argent. Au moins soins de santé primaire yo tradoué gratuit et quel que soit moun nan, quel que soit niveau social li, depuis m'rivé dans un centre de santé, premier soin c'est gratuit pour l'itaye, que le gen kòb, que le pa gen kòb. En tant que citoyen ou produit dans la société, ou porter toute jeunesse ou toute crème ou t'es fait dans la vie pour permettre que la société a vienne s'allier. Parce que c'est petit goutte pau, petit sort porter dans la société qui fait la société s'allier. D'où il est nécessaire que gagner des risques, gagner des accidents qui arrivent, gagner des problèmes qui arrivent, il faut que la société a organisé pour que l'aide fait face à type de barrière. Donc, c'est dans ce sens-là la permettre que la société a progressé. Là, qu'on a une vraie protection sociale, la santé suspend les marchandises. Là, nous avons un système qui a une protection sociale, l'éducation, pas tous les marchandises. Tout ça, c'est le minimum que on a besoin pour vivre dans, avec un minimum de dignité. C'est le public qu'il faut renforcer. Investissement va être fait dans l'État. Il faut l'État renforcer la tête pour être capable de faire le service qu'il faut faire. Mon cher, je vais prendre l'exemple du Brésil, là, puisque c'était un pays que nous connaissons avant Lula et vice président, qui était une situation à peu près que nous avons parlé en Haïti, une situation de une misère atroce qui en face une richesse énorme de une minorité. Que ce soit au niveau de l'éducation, et pour tout le monde, que ce soit au niveau de la sécurité sociale, que ce soit de la protection sociale en général, eh bien, il y a un travail intéressant qui est fait. Dans ça, nous croyons que là, il faut aller garder modèle dans un pays qui semble avec Panou, et puis avec souci constant pour que nous mettions citoyens haïtiens, citoyennes haïtiennes, non, et environnement pour être capable de développer tête sur comme ça, développer le pays. À travers ces visites, le chef de l'État voulait montrer la population dans quatre coins du pays attachement à l'amour. Les gens qui ont plus de chance de jouer une motocyclette, mais le tirage qui est plus intéressé la population, c'est le tirage qui permet de gagner un pick-up double cabine. Très souvent, les pays attendent un sauveur, un bon Dieu, un Messie qui vient sauver. Donc, une fois qu'on aigle, parce que vous gagnez, vous êtes un bon orateur, parce que on parle à peuple, parce que ou bien on vient à une démagogie ou vient sauver peuple, et puis c'est même qui représente peuple qui a parlé à peuple pour qu'on lit avec eux. Donc organise moun sa le sa li vinn sauter ni parlementaire yo li vinn sauter société civile là tout va adresser directement à peuple soi-disant pour une démocratie directe qui et démocratie directe là li toujours gagne un danger là-dedans. Démocratie directe là toujours gagne danger que
ou vin retourner à ça n'te gen avant dans pays d'Haïti ou bien dans le passé à une autocratie. C'est-à-dire côté un grand individu qui lui-même veut représenter l'État. Donc ça fait institution ou vin plus faible, ça fait l'État lui-même vin plus faible. Une société civile fort pas jamais permettre un bagage comme ça fait parce que société civile fort là c'est lui-même qui a fait que dans élection yo moun ko pral choisir son moun que société civile là en général évalue comme moun qui bon qui préparé pour diriger pays en dans sens intérêt peuple. L'État panouan, il faut qu'on voulait vraiment comprendre pour le travail et la collaboration avec le syndicat. C'est une bataille, ça, camarade, dans ce dollar, n'a fait là pour nous. Comment nous avons une commission syndicale l'État pour nous redéfinir. Et je vais vous dire, tout 86-87, nous avons ce domaine transporté en désordre. L'État, en partenariat avec le syndicat, a changé ça. C'est ça que nous donnons dans la commission. Si l'État lui-même livre pour progrès, vraiment, le syndicat est prêt pour chita pour. Pour dans 3, 4, 5 ans, dans le pays, pour commencer à avoir même transport. Parce que nous conscients de transport, nous sommes malades. Leur syndicat, leur l'État a un bac comme syndicat, il peut aller plus rapide. Bien sûr, le syndicat est là pour demander augmentation. Bien sûr, le syndicat est là pour demander pour améliorer les conditions de travail. Pour assurer la question de la santé et sécurité au travail. Ça demande à l'État du simplement pour que nous dit non, profit patron, partagez avec nous-mêmes, qui avons mis des forces de travail là, pour faire l'argent. Donc c'est ça demande le seulement. Nous n'avons pas besoin de l'écraser. Nous n'avons pas besoin d'écraser l'entreprise si l'entreprise n'a pas existé. Pas d'ouvriers, pas de travailleurs, donc pas de syndicats. Donc au contraire, nous-mêmes, nous avons besoin de plus de jobs. Pour capable venir plus syndicats, tant qu'on a demandé pour capable plus université, pour capable plus centre de santé, que plus l'hôpital, c'est même pas la lieu. C'est pas casé, mais c'est casé au contraire. Haïti, les très riches, les riches dans ressources rio, dans ressources minières. Ressources maritimes, ressources intellectuelles. Et jusqu'à présent, nous gagnons dans le cerveau, c'est nous qui avons servi le pays de l'autre bord. Nous gagnons une jeunesse assez extrêmement intelligente. Nous avons un ensemble de travailleurs qui sont travaillent. Par exemple, lors de la République dominicaine, là, après nous avons tout le travail de ces haïtiens qui ont fait la caille. Pour gagner la richesse, il faut gagner le développement de connaissances. Donc, c'est connaissances qu'on peut développer pour capable créer la richesse. Dans la mesure que vous recapitalisez le capital humain, qui c'est le monde, ça veut dire que vous formez, vous permettez d'utiliser toute la possibilité qu'il gagne, toute la capacité qu'il gagne à Kaeli, tout le talent. Et le fait que depuis vous êtes capable de faire le moyen pour développer le talent ça, par l'éducation, la privé loin. Faut qu'on leur nous finit par une formule pour entendre nous, pour nous d'accord. La misère ça, n'est pas capable à vivre à côté richesse ça. Donc seul moyen pour nous faire c'est une redistribution de la richesse nationale entre et toute petite pays de telle manière pour nous pas capable parler de convivialité, nous pas capable parler que pour nous faut le vivre ensemble. Le vivre ensemble, il gagne des exigences. Problème dans le système.